Et maintenant, ouvrez-les sur ce que nos meilleurs artisans tapissiers vous ont préparé. Pièce unique. Faites à la main. Dans artisan, madame, il y a le mot art. Oh, une méridienne. Oh, qu'elle est belle. Et qu'il est doux. Velours de Toscane, je suis sûre. Oh, Florence et ses plaisirs. Venise et ses délits. Rome, Lisbonne, Paris. Je te le promets. Toutes ces villes, nous les visiterons. Nuit de noces, nuit de folie. Je vais t'enlever, te marier, te trouver, t'épouser au milieu des masques, des cortèges, des extravagances. Madame Hippolyta, votre trône est avancé. Bravo! Très moderne et très design, hein, mon chéri? Et ça? C'est un oubli, madame. Et la musique? Et les danses? Tu crois que tout sera prêt? Les musiciens, où sont-ils? Le morceau pour le bal est-il enfin composé? Et toi, au fait, où en est-il ce petit chant dont tu m'as parlé pour l'instant où je lui passe la bague au doigt? Il est prêt. Il serait bon d'avoir un aperçu a cappella. Si elle chante aussi bien qu'elle pétrit, c'est parfait. Voyons ça. Der Schlaf des Todes bleibt.
inattendu. Surprenant même, je l'avoue. C'est incontestablement lyrique. Avec du corps, comme on dit, des bons vins. Parfait. Égée, quelle affaire amène tes pieds chez nous, Égée, en si jolie compagnie? Je viens porter plainte contre ma fille. Contre qui? Hermia, approche. Et toi, Dimitri, viens ici, assieds-toi. Que vient-il faire ici, cet épouvantail à corbeau? Se plaindre. Pas se plaindre. Porter plainte, c'est bien plus grave. Ce jeune homme a mon consentement pour épouser ma fille Hermia. Il est très mignon, parfait. C'est très bien pour nos noces. Plus on sera de fous et de mariés, plus on rira et on dansera. Mais ma fille refuse obstinément de l'épouser. Que viens-tu faire ici, toi? Écoutez, et me défendre, nous défendre. Lysandre. Celui-ci, ce Lysandre, a ensorcelé la cervelle de ma fille. Qu'a-t-il fait au juste? C'est quoi? Il est venu sous sa fenêtre plusieurs fois lui déclamer des poésies d'amour incompréhensibles. Mais je vous dis... Tais-toi, mais tais-toi. Il s'est insinué dans son imagination par mille petits mots. Il en a fait une révolté qui désobéit. Non, papa, je ne désobéis pas. Je ne t'obéirai pas à ce sujet. C'est différent. Tu comprends? Mes oreilles de père ne peuvent entendre ces mots! Tais-toi! Mais tais-toi! Toi aussi tais-toi! Tu l'as marabouté! Avec ta musique et tes chants sous sa fenêtre! Et c'est Grégory! Il fallait le chasser! On a lâché les chiens! Il aura tourné le sang! Bulldog français, chien loup espagnol, setter irlandais rampé devant lui! Il fait commerce noir avec les animaux! Adepte du vaudou! Et du veau d'or, je te jette un sort. Seigneur, si elle se refuse à épouser Démétrius, je demande le privilège athénien de disposer d'elle. Ou je la donne à ce seigneur-là, Démétrius, comme la loi de notre cité m'y autorise, pour l'honneur de notre famille et notre nom, ou la peine capitale, la mort. Où on va là? Mais de quelle loi parles-tu? Elle a été abrogée, ou du moins aménagée l'an dernier avec le code de la famille. Pas du tout. Elle est toujours en vigueur pour nous préserver de dérives incontrôlables. Papa, enfin, que Lysandre t'a-t-il fait? Je l'aime et il m'aime. C'est ce qui compte. Non et non. Je ne veux pas de lui. Mais enfin, Lysandre est d'aussi bonne naissance que Démétrius. Mais pas de même extraction. En ce moment, nos familles doivent se serrer les coudes. Ah, vous, papa, que j'aime vous voir comme ça, déterminé, survitaminé. Hypocrite. Toi, boucle-là, t'as rien à faire ici. Et toi, tu sais d'où tu viens et où tu vas? Du calme, pas d'insultes dans le palais. Eh bien, que répondez-vous à votre père? Démétrius est un jeune homme de mérite et joli garçon. Lysandre aussi, tout à fait ça. Oui, mais pour moi, madame, Lysandre est nettement plus, disons... pimenté et coloré. Exactement. Mais il y a la volonté du père. Hermia, celui-ci n'a pas le consentement de ton père. C'est donc l'autre que tu dois choisir. Allez, on va fêter tout ça dans 4 jours et notre mariage. Allez, mettez un peu de gaieté sur vos visages, s'il vous plaît. Votre Altesse, permettez-moi une seule question. Que m'arrivera-t-il vraiment si je refuse d'épouser Démétrius? Ton père a la loi pour lui. Que veux-tu, charmante Hermia? Elle s'appliquera. Ou bien, à la rigueur, le couvent. Tu quittes pour toujours la société des hommes. Et donc tu restes nonne, voilée et vierge toute ta vie. Je vous le dis solennellement. À toi, mon père, le premier. À vous, monsieur le roi. À vous, madame sa future. Je vais donc être nonne. Car je ne céderai pas mes virginales faveurs à un homme que mon corps et mon cœur refusent. C'est dit, je serai nonne. Joliment déclaré, Hermia. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont vraiment de l'élégance, y compris dans les mots. Très bien. Après tout, on n'a jamais eu de nonne dans la famille. Et tel que je te connais, ma fille, tu seras certaine du couvent et mère supérieure dans les 2 ans. C'est bon pour tout le monde. Et pour papa et moi. Toi, tais-toi. Hermia,
Je te laisse jusqu'à la nouvelle lune pour réfléchir. N'oublie pas, non, c'est abstinence et chasteté pour toujours. Toujours, c'est tous les jours. Je t'en prie, Hermia, serre, épouse-moi. Et toi, Lysandre, oublie tes prétentions de jeune coq et réconcilions-nous. Top là, tu as l'affection de son père. Épouse-le et laisse-moi Hermia. Insolent! Oui, Démétrius a mon affection et je l'aime. Tous les droits que j'ai sur ma fille, je les lui transmets immédiatement. C'est dit, je ne renoncerai pas à mon droit. En plus, Démétrius, j'ose le dire, monseigneur, faisait une cour frénétique à Helena, la fille de Nadar, et elle est folle de lui. Créateur! Ça va mal se terminer pour toi! Quand tu veux! Quand tu veux! Allez, viens! Arrêtez tous les deux! Lâchez-moi ces lames! Je ne veux plus vous écouter! Et maintenant, tout le monde dehors! Hermia à la maison! Tout de suite! Ils m'ont tué! Quelle bande de capricieux! Il n'y en a pas un pour acheter l'autre! Il est faux, cet Égée, avec ses exigences et ce ton délégaliste et pédant! Je vais régler cette affaire au plus vite! Au fond, c'est politique! Mais il faudrait que ces chenaux mettent de l'eau dans leur vin! Cette histoire va faire les tours de toutes les maisons et les tavernes! Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais réglons d'abord le programme de nos festivités. Je sens que tout va de travers et ça m'énerve. Oui, ça m'énerve, avec ces bras cassés qui m'entourent! Il est vrai que ton ministre est de fête, jouissance et réjouissance est plutôt limitée. Examine bien le programme qu'il nous a préparé. Philostrate! Philostrate! Viens ici! Philostrate, qu'as-tu finalement concocté comme un grand moment festif pour la soirée publique après nos noces? Un très beau concert, Majesté, que j'ai déjà retenu avec 70 membres! Encore? Ah non! J'en ai assez de ces concerts où l'on baille à s'en décrocher la mâchoire. La dernière fois, notre vieille duègne en a perdu son dentier. Il y aura aussi de la super danse que j'ai réservée. Ah non. On n'a fait plus de ces danses des volatiles qui ne s'envolent jamais. Philostratus, oui. Je veux quelque chose d'original. Oui. D'inattendu. Oui. Tiens. Je veux du théâtre. Oui, ça va changer. Mais si, il y a longtemps que nous n'avons plus de théâtre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand je traverse notre beau pays, je vois plein de théâtres à côté des temples et des mairies. Oui, sire, ce sont les bâtiments. Dedans, il n'y a plus de spectacle de théâtre. Il y a des ateliers, de l'événementiel, des arts nouveaux, acoustiques, sensoriels, et des rencontres. Chaque ville maintenant est équipée, c'est le maillage, le tricotage, que dis-je. L'emmaillotage du territoire, modèle national qu'on nous envie partout à l'étranger, sire. Philostratus, oui. Tu mérites, oui. Tu joues sur les mots. Je ne te parle pas des bâtiments de théâtre. Tu ne vas pas déplacer un bâtiment de théâtre dans un palais, non? Je veux voir des hommes et des œuvres. Oui. Mon peuple en a besoin. Oui. Il aimera ça, j'en suis sûr. Mon futur époux, ce roi érudit et raffiné, Philostratus, veut ce soir-là un art qui conjugue plaisir, idée, émerveillement avec la beauté des mots. C'est parfait. Oui. Mais madame, il n'y a plus de troupe. Quoi? Comment est-on arrivé là? Oh, lorsque vous étiez tout jeune, roi. Ouh. Vous étiez si mignon de... Le régent a signé un décret réduisant enfin les aides publiques à ces gens qui profitaient honteusement des deniers collectifs. Ça n'aurait pas été une vieillerie, un vieillard qui fallait bien mourir. Sire, franchement, pour un couple branché comme vous, le théâtre... Cher Philostratus! Oui. Toi qui connais soi-disant chaque recoin de nos régions. Nos régions, oui. Je suis sûr que tu vas nous trouver une troupe. Philostrate, oui. Cours nous les chercher et dis-leur d'être prêts dans 4 jours. Ce sera le clou de notre soirée. Oui, mais si, il faudrait savoir ce qu'ils vont jouer. Il ne manquerait plus que je me mêle des répertoires. Mais si je manquais de vous. Je cours le risque. Et de la haine. Je cours le risque. Des instances. Je cours le risque. Des institutions. Je cours le risque. Mais c'était très tendancieux. Il court le risque. Mais licencieux, sire. Il court le risque! Va-t'en, tu perds du temps! Hé, vous autres! Où
vous avez terminé. Dernier clou et point de maille. Dernier coup de pinceau et point de mousse. Ah, ça va être une vraie surprise. Les gens, d'où viennent-ils? Cela, diront les gens, envoyaient les acteurs. On les avait jetés par la porte de derrière et voilà qu'ils rentrent par la grande porte. C'est formidable, chérie. Ça va être... Mais toi, mais laisse-moi passer. Mais bouge-toi maintenant. Tu t'écartes toi aussi. Quand est-ce qu'on grippe? Embouteillage. Ici, ils entrés et sortis ne sont vraiment pas bien réglés. Qu'est-ce que tu racontes? Quand l'un entre et l'autre sort de scène, ce doit être fluide. Je comprends rien à ce que tu dis. Asperge. Scène. L'allusion est claire, pince de page. Je dis entrée et sortie de scène. Nous avons entendu les désirs du roi et nous sommes là pour le servir. Et pour t'aider toi aussi, car tu en as bien besoin, notre jardin. Oui. Nous en sommes. Quoi? Tu fais de cet art-là, toi? Devant vous, un véritable homme de troupe. Artisan. Associé, anonyme, pour le théâtre moderne, classique, contemporain et vivant. Oh, et vous êtes où? Vous êtes nombreux? D'où venez-vous? Artisans d'Athènes, les meilleurs. Et que jouez-vous? Vous le saurez le soir des noces du roi. Ne bougez pas, attendez-moi, attendez-moi. Si, 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 vos désirs sont des ordres. Vos désirs sont les ordres. C'est réglé. Enfin. Ah, madame Hippolyte, soyez rassurés. De vrais acteurs de théâtre, imposants, qui ont du coffre et du métier, seront au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'ils nous préparent? C'est une surprise. Je vais vous dire une chose, ouais. Et sur toi, toi, mon gros nounours, espèce d'ours en ouest des temps anciens. Et toi, Einstein Frank, dit Frankenstein. Si c'est mauvais, vous serez fouetté. Je m'y engage. Peut-être même pendu à un croc de boucher pour avoir gâché les noces du roi. Sur la place publique, ce sera ça le clou du spectacle, car vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Et vous êtes très mauvais. Vous serez très, très mauvais. Non, mais lâchez-moi. Dégage, Minus. On change. On est le SAMU théâtral. Non, non et non, je te le jure. Je n'épouserai pas ce blanc bec de Démétrius. C'est sûr que ton père ne cédera pas. Il lui faudrait un beau coup de baguette magique sur la tête. De massue, tu veux dire? Têtu comme il est? À un moment, pour qu'un homme change et sorte de son obstination, il faut hélas presque une intervention magique. En tout cas, ton histoire de courant, non merci. Mais ne t'en fais pas, c'était pour les faire parler. Tu nous vois tous les soirs faire le mur avec moi en bonne sœur. Il vaut mieux donner un coup de main au destin. J'ai une tante, veuve, qui n'a pas d'enfant, elle-même comme son fils. Sa maison se trouve à 20 lieues d'Athènes. Là-bas, je peux t'épouser. La cruelle loi de notre ville ne s'y applique pas. Si tu m'aimes, Hermia, évade-toi demain soir et retrouvons-nous dans le bois. Je t'attendrai. Je le jure. Par l'arc et la flèche acérée de Cupidon, par tout ce qui envoûte les cœurs et bénit les amours, demain, je te retrouverai dans ce bois. Oh, voici Elena, à demain! Belle Elena, où vas-tu? Belle! Tu peux retirer ce mot, Hermia. C'est ta beauté qui envoûte Démétrius. Si je pouvais avoir tes traits, tes yeux, ta voix,
Mais d'où tiens-tu ce pouvoir? Sur son corps et sur son cœur? Plus je le rejette, plus il me poursuit. Et moi, plus je l'aime et plus il me repousse. Console-toi, il ne me verra plus. Lysandre et moi allons fuir Athènes. Incroyable! Et donc, dès la nuit tombée, demain, c'est fait. Adieu Athènes et ses lois iniques. Mais comment comptez-vous faire? Tu te souviens du bois où toi et moi, nous nous retrouvions souvent pour vider nos cœurs de leurs secrets? De là, nous partions. Adieu Héléna. Que la chance te donne ton Démétrius. Il est libre. Avant que Démétrius ne rencontre Hermia, il se disait à moi. Mais je vais lui raconter qu'Hermia s'est enfuie avec Lysandre. Il ira dans la forêt. Et là, il ne m'échappera pas. Cimetière, à la première clairière et préparer le lieu. C'est ici, c'est sûr. Ah, voilà qu'il y a dedans. Hé, frère Jean! Pudding n'est pas avec vous? Non. Non, non. C'est sinistre ici. Ce philostrate ne nous loupera pas. Nous serons tous pendus en place publique. Tous pendus? Mais c'est horrible! Monsieur Flutio, le roi a choisi le théâtre pour fêter son mariage contre l'avis de tous ses conseillers. J'étais là! Le roi s'est écrié, soutenu par la reine, du théâtre! Je veux du théâtre! Devant tout le monde, médusé, et il n'a pas cédé. Je dis vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le king! Vive la reine! Vive la reine! Tous pour elle! Tous pour elle! Et il a vraiment fait appel à nous? Il a dit, je veux les meilleurs. Eux, vos dents, les 3A, TMCCV. Et sur le conseil avisé de nos deux archivistes municipaux, j'ai décidé de répéter ici et en un autre lieu. Douillette et frère Jean, expliquez-leur pourquoi nous devons préparer le combat sur ce terrain-là, précisément. Vous voyez cette eau dormante sous le veille? C'est là que nos alliés célébraient les rites de mai. Ce lieu se nomme l'étang de Puck. Dans la nuit la plus profonde de l'année. Profonde. Profonde. Profonde, 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 profonde. La tête nera se fue a vivir al mar profondo. La tête nera se fue a vivir al mar profondo. Nos ancêtres sacrifiaient ici un jeune bouc enivré, étourdi par les cris, les chants et les danses nocturnes. On l'appelait Puck. Puck? Oui, Puck. Puck. Pucky. Plus tard, un des elfes vivant dans ce bois prit ce nom en son honneur. C'est dans cette eau rougie
que l'officiant lavait le couteau qui avait servi à l'acte sacrificiel. Cette eau vous portera bonheur. On sera tout de même mieux dans la grange pour bien se concentrer. Ici, l'atmosphère est peu propice. C'est trop loin. Il nous faut courir au moins 3 lieues pour venir. Parfait. Vous pourrez ainsi, en pédalant, mastiquer votre texte et travailler vos respirations. Trop courtes. Monsieur Flutu et Claquedent cessaient d'argumenter. Notre théâtre a besoin de cette nature mystérieuse, de la nuit, des ondes et des vibrations qui vivent ici. Je vous le répète, sur vos fragiles épaules pèse une lourde responsabilité. L'enjeu est de taille. Collègue, moi je sens. Les esprits qui hantent ces bois vont nous accompagner et nous inspirer. La lune, les arbres et les ombres seront nos alliés les plus intimes. Monsieur le chef de troupe, ne nous faites plus languir et donnez à chacun son rôle. Il faudrait d'abord savoir de quoi traite la pièce. En 3 actes, 7 scènes. Un prologue, un épilogue et de l'action. Cette pièce présente la terrible comédie et la très cruelle mort de Pyram et de Tisbé. Eh oui, mais de quoi parle la pièce? C'est une pièce sur les palpitations de l'amour et sur les vertiges désirés de la mort. Et qui est l'auteur, le thaumaturge? Un anonyme de la nuit des temps que nous allons réveiller. Eh bien, messieurs, rangez-vous et répondez au fur et à mesure que je vous appelle. Nicolas Lefond, le tisserand. Présent. Nicolas Lefond, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyram. Mettez-vous là-bas. Qui est Pyram? Un amoureux? Un tyran? Un incendiaire? Un amoureux qui s'assassine par amour. Ah, l'amour! Bravo! J'aime ça! Il va y avoir des larmes dans la salle. François Douillette, raccommodeur de soufflet. Présent. C'est vous qui ferez Tisbé. Et qu'est-ce que Tisbé? Un chevalier errant courant les bois? Un cavalier d'Espagne cavalca per la via del piede la montagne cantando per l'amor d'una fontina. C'est ça? Oh non! C'est la jeune femme dont Pyram est éperdument amoureux. Ah non! Parole de femme! J'ai déjà la barbe et les poils qui commencent à pousser. Vous devrez barbeler. Si tes poils se voient trop, rase-les et entraîne-toi immédiatement à parler aussi pointu que possible. Quelle chance tu as. Quel grand gaillard, charpenté comme un beffroi irlandais, soit amoureux de toi. Oh oui, ma jolie, tu es chanceuse. Viens un peu par là te reposer sur cette poitrine couturé, ma Tisbé. Monsieur Pudding, je peux jouer Tisbé. Je prendrai une voix formidablement petite. Je dirai: oh, Pyram, c'est moi ta Tisbé chérie, ta colombe. C'est assez pointu, ça? Oh, Tisbé, ma colombe si désirée. Ne t'inquiète pas, ton pyromane est là. Je vais t'allumer le feu. Ta pyromane, Pyram. 2 syllabes, pas 3 ou 4. Tu sais compter, nom d'un chien. Excusez-moi, j'ai l'apprécié. Je vais reprendre. Surtout pas. Monsieur Clark dans notre serrurier. Ce sera François Douillet qui fera Tisbé. Mais si par malheur, il devait se rompre le cou, notre menuisier judoka, vous prendrez immédiatement sa place. Apprenez donc son rôle comme doublure et suivez-le comme son ombre. Moi, à la place de Diète, j'ai surveillé mes arrières. Et moi? Et nous? Que ferons-nous alors? Frère Jean, vous ferez le mur. Monsieur Flutio, vous serez le lion. Et comme vous êtes notre petit mitron boulanger, vous jouerez la lune. C'est un grand honneur. Eh bien, messieurs, voilà une pièce bien distribuée. Rendez-vous ici. Demain soir, n'oubliez pas, vos ancêtres vous regardent. Les miens aussi.
plus vif et léger. Que faites-vous ici? Tu le vois bien? On prépare la clairière pour notre reine, Titania. N'es-tu pas l'elfe des bois, surnommée Puck, dit Puck et Lee? Exactement. Puck, dit Puck et Boo. Fello, je suis le vagabond nocturne et je fais rire mon maître Oberon. Je suis pour lui un menteur de panthère, un déclencheur d'orage et d'éclairs, un exciteur d'ours. Changé en jeune poulain, je fais danser le cheval et il rit. Alors, mes elfes, il est temps de mêler vos voix légères à l'air pur de cette nature si accueillante. En place, en place. Eye fong hua shan ya hu guang, fong shan xia xiao shui wei qiu qiu. Eye fong hua shan ya hu guang, fong shan xia xiao shui wei qiu qiu. Eye fong hua shan ya hu guang, fong shan xia xiao shui wei qiu qiu. Eye fong hua shan ya hu guang, fong shan xia xiao shui wei qiu qiu. Mais vous savez donc pas qu'Oberon arrive par ici? S'il y en a bien un que la reine ne veut plus jamais voir, c'est lui. Ça va barder fort. Si nous allons tous en recevoir les éclaboussures. Que les dieux de la nuit doivent être courroucés pour provoquer une telle rencontre entre Titania et Oberon. Moi, je préfère dégarpir. Puck! Puck! Ainsi son béron, roi des mains rétentes, dans son cap en pur recompérant le pur des rangs. Mon petit Pocky chéri, viens ici, que je ramasse ton joli front. C'est ton nom, Péron. Encore toi. Va-t'en, sinon je ne réponds plus de rien. Va-t'en, je t'ai dit. Menutin, chéri. Ignorer ce lourdeau porte-poisse et reprenons notre chant céleste. Voilà bien Titania l'orgueilleuse, la reine des pimbèches. Et vous le trio là, vous chantez faux. Les oiseaux ont déjà quitté ce lieu magique à cause de vous. Mais taisez-vous, casserole, gamelle. Quel grossier personnage. Un rusto enflé, oui. Primitif du premier degré. Ne l'écoutez pas. J'ai régné sa couche et ça, il ne le supportait pas. Ça t'irrite, hein? Nous, les femmes, nous avons une arme absolue sur ce sexe bien faible que le tien. Oh, belle provocatrice! Ne suis-je pas ton maître? En tout cas, moi, je ne suis plus ta maîtresse. Et je sais pourquoi tu viens dans ce bois. Ah, et pourquoi donc? Parce qu'Hippolyta, cette Amazone évaporée que tu surnommais ta guerrière amoureuse, va épouser Thésée. Et ça, avant, j'aimerais bien encore en profiter un peu. Toi, Titania, tu oses me reprocher les faveurs platoniques qu'Hippolyta a pour moi, alors que toi, tu as courtisé, que dis-je, allumé Thésée avec tes regards de biche élaboré. Quelle jalousie maladive! Alors, pour y remédier! À cause de tes querelles permanentes, les vents sont en furie, les rivières débordent. L'orge et le blé pourrissent sur pied. Une avalanche de malheur s'abat sur tout dans ce pays. Tout ça à cause de moi? Oh, quel pouvoir tu as, bel Oberon! Mais pourquoi Titania contrarie-t-elle toujours son Oberon chéri? Parce que moi, je ne veux plus te voir. Et toi, tu me cherches partout et tous les jours. Mais quelle imagination! Tout ce que je veux, c'est une juste paix entre nous. Et que tu me donnes ce ravissant petit page pour en faire mon servant en signe de réconciliation. Viens avec moi, mon mignon. Enlève des sales fêtes, Oberon. Ça va se terminer mal pour toi. Madame, laissons le territoire à ce provocateur. Il a déjà réussi à polluer tout l'air de cette clairière. Tu as raison. Déménageons, mes elfes. C'est ça. Va ton chemin. Va. Ah. Jamais tu ne sortiras de ce bois. Puck. Puck. Où es-tu encore?
Paki, tu te souviens de cette étrange fleur que je t'ai montrée avant-hier? La rouge, avec des reflets noirs. Exact. Va vite me l'accueillir. C'est urgentissimo. Qu'a-t-elle de si particulier? Son suc, Paki. Posez délicatement sur les paupières de tout être vivant. Le rend éperdument amoureux de la première créature entrevue à son réveil. Quelle qu'elle soit. Oh, que j'aime ça, magia pura. Mais s'il faut que je me souvienne de l'endroit où elle est, une rivière, de gros rochers moussus, sans doute tombés dans la forêt il y a près de 10 000 ans, comme un troupeau d'hippopotames entre les arbres. Et derrière, elle est là. Cours vite me la chercher. Il revient, soit de retour, avant que ce faucon n'ait fait 3 cercles dans le ciel. C'est parti. Puck, dit Pucky en 40 minutes, entoure un cercle autour de la Terre. Voilà une affaire rondement menée, hein, Oberon? Oh, oh, que c'est bon pour la plante des petons. Et les petits doux orteils du roi Oberon. Ah, didou Oberon, didou Oberon, didou à didi, à didi, ah, didou Oberon, didou Oberon, didou à didi, à dida. Ah, didou Oberon, tu viens comploter ici et me déranger. Arbre, lâche-moi. Démétrius, Elena, cesse de me suivre. Où sont Lysandre et Hermia? Je n'en peux plus de tourner en rond dans ce bois avec toi derrière moi. Mais c'est toi qui m'attires comme un aimant. Je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais. Il faut que tu te mettes cela définitivement dans ta tête. Va-t'en. Et moi, je t'aime encore plus. Et je te suivrai partout. Et je serai ton épagnol, ton caniche, ton chihuahua. Et mon cœur pleure si je ne te vois pas. Et moi, il saigne de te voir accroché à mes bastes. Reste ici. Je dois fouiller tout ce bois pour retrouver Hermia. Et tu laisserais ton Elena en pleine nuit à la merci d'un bête féroce? Ce sont elles qui s'enfuiront en te voyant. Tu te moques, hein? Tu mériterais, hein? Tu mériterais que mes ongles te marquent à tout jamais. Doucement, tigresse des bois. Tu aurais pu me rendre aveugle pour la vie. Mais non, c'est un jeu d'amoureux. Regarde comment tu tiens enfin ce joli poignet. Tiens, je te donne l'autre. Et puis, les doigts, les mains, le bras, l'épaule, le mollet, tout ce que tu veux. Garde tout. Et surtout, tes deux mains bien jointes sur les yeux et tes lèvres bien fermées. Et alors? Et alors? Un traître! Oh, il n'en a même pas profité! Mais je te retrouverai! Et tu céderas! Ce jeune blanc-bec mérite une leçon! Jeune fille! Fais-moi confiance! Avant que ce cœur endurci ne quitte ce bois, c'est lui qui te léchera les doigts de pied. Encore mieux que le caniche! Ou la chichi, waf waf, comme tu dis! Ouais, c'est ça! Waf waf! Oh là, cher Oberon! Que vous arrive-t-il? Rien, je m'amusais à me chauffer les cordes vocales. Alors, coureur des bois, as-tu la fameuse fleur? C'est bien elle, n'est-ce pas? Un vrai rouge écarlate. Son nom est Stella. Stella? Tu en sais des choses, Pucky. Je vais enfin me venger de Titania. Pucky, nous allons rire des caprices du sort. Dors. Dors, belle Titania. Parmi les violettes sauvages, les cyclamènes et les dames de 11 heures. C'est le lit idéal pour les amants. Donnez-moi la fleur, je veux le faire. Non! Je tiens à ce que ce soit par ma main. Mais j'ai une surprise pour toi, Pucky. Une jeune fille d'Athènes est follement amoureuse d'un garçon qui la rejette méchamment. Moi, à sa place, je n'aurais pas laissé passer une telle occasion. Il dort, tout près d'ici. Trouve-le et parfume son front avec notre charme magique. Et fais en sorte qu'à son réveil, il ouvre les yeux sur la belle Athénienne. Moi,
Je vais m'occuper de Titania. Reine narcissique, j'arrive! J'y cours! Ainsi par ma main, tout s'arrangera pour les amoureux, comme s'ils sortaient d'un songe merveilleux. Une nuit d'été. Que j'aime ces missions secrètes! Vous voyez, madame? J'étais sûre que votre Oberon quitterait les lieux dès notre fausse sortie. Enfin tranquille! Estal Marcouche, va me préparer des bouquets et guerroyer contre les chauves-souris. Ah, qu'on est bien couché ici. À force de tourner en rond dans ce bois, je ne trouve plus notre chemin. Mes pauvres pieds ne peuvent plus avancer. Reposons-nous ici en attendant le jour. Le gazon de ce talus peut agréablement servir à tous les deux d'oreiller. Et une seule âme, deux cœurs et un même lit. C'est parfait et économique. Lisandre, s'il te plaît, couche-toi un peu plus loin. Un peu? D'accord. Mais non! Et puis ici, il n'y a pas assez de place pour les deux. Passe de l'autre côté. Chacun sa place. Ce sera très bien pour se reposer. Reste de ton côté. C'est que tu es dissipé. On dort, c'est tout. D'accord. Je serai sage. Et je veillerai sur toi. Mais pourquoi t'amuser ainsi avec moi, hein? L'homme que j'aime me repousse et toi,
Tu te moques de moi. Je ne veux plus jamais te voir. Et va t'occuper d'Hermia. Idiot. Attends. Attends-moi. Au secours. Lisandre. Il y a un serpent autour de mon cou, je trouve. Quel horrible rêve. Un affreux reptile me serrait le cou, et toi tu me regardais en souriant sans rien faire. Lisandre ? Lisandre ? Où es-tu ? Lisandre ! Lisandre ! Lisandre ! Lisandre ! Mon Dieu ! Mais c'est Titania ! La reine de la nuit, ici endormie, morte ! Sera la scène. Derrière ces buissons, les coulisses. Alors, vous avez bien pris connaissance de vos rôles ? Monsieur Pudding ? Oui ? Il y a des choses dans cette histoire de Pyram et de Thisbé qui ne plairont pas du tout. Quoi donc ? Par exemple, Pyram tire son épée et se tue violemment. Ça, les dames ne le supporteront pas. Mieux vaut alors qu'il ne se tue pas sous leurs yeux, mais là-bas, dans les coulisses ! On tirera tous dans cette direction! Oh mon Dieu! Oh my God! Pyram! Pyram s'est embroché lui-même! Il baigne dans un océan de sang! Oh my God! Un blood! Un blood! Un ancient blood! Paul Pyram! Ah non! Moi je ne joue pas en coulisses! Pour régler ça, monsieur Pouilly, je dirais que Pyram n'est pas mort pour de vrai, que je ne suis pas Pyram, mais le fond, le tisserand! Les belles dames n'auront pas peur et m'applaudiront. Pas question, le fond. Monsieur Douillet, au théâtre, les spectateurs et surtout les spectatrices adorent avoir peur. Oui, mais pour le lion, je veux dire, mesdames, je suis venue ici en lion. N'ayez pas peur de moi, je suis votre boulanger. Vous n'êtes pas là pour vous exhiber et cabotiner. Un acteur n'est pas un histrion, même s'il doit l'être un peu. Monsieur Pudding, il est précisé dans le texte que le rendez-vous entre Pyram et Thisbé a lieu au clair de lune. C'est vraiment difficile à réaliser. Dans 4 jours, la lune sera tout à fait ronde, laissant la fenêtre de la salle ouverte. Elle entrera et jouera pour nous, avec nous. Comme disait le poète Quentin Hope, « Chanyang de xin xin han yue liang, zi chuan wai. » Pardon ? La lampe éteinte, les étoiles brillantes et la lune bondissent dans la chambre, par la fenêtre. Et s'il y a de lourds nuages de cendres des volcans ce soir-là, tu crois peut-être qu'on pourra attendre qu'ils soient passés ? Monsieur Flutio, la nature, hélas, est inconstante. Nous devons inventer une lune de théâtre. Artificielle donc, mais crédible. Je peux arriver avec une lanterne et un fagot et dire même en plusieurs langues, je suis The Moon, la Luna, Aloua, Aya et Yakamoz en langue turque, ou bien seulement dire dans ma langue maternelle au mandarin, Ma Yue Zhao Zai Chi Tang Shang, Xiao Chuan Ye Mo Ying Guang Zhong. La lune, la barque, niveau de demain. C'est beau le mandarin, il y a Camus. D'accord, mais le mur. Il est écrit que Pyram et Thisbé se parlent au travers d'un mur. On ne va pas construire un mur de pierre tout de même. Je ferai le mur. Du plâtre, du blanc sur les visages.
J'écarte les doigts comme ça. Psh! Pyramide, il se met de chaque côté. Le plus dur, ce sera de figurer la mort de Pyramide. Réaliser la mort au théâtre est toujours un défi authentique pour le metteur en scène. Pyramide se donne un bon coup de couteau. Il n'a qu'à bien le jouer et chacun y croira. C'est risqué cette affaire. Mais moi, le menuisier, je lui glisserai une planche sous sa chemise. Ce sera du plus bel effet. Ah, oh, aïe, 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 aïe. C'est du grand guignol. Aïe. Vous êtes grotesque. Le travail de l'artiste, c'est de faire ressentir à l'homme les mystères de la vie. Il vous faut parvenir à suggérer la mort et à la sublimer. C'est pour ça qu'on est là, les gars. Eh ben, on a du boulot. La vie, c'est une petite flamme fragile, n'est-ce pas? Prenons une chandelle, chacun une même. Et juste après, le coup de coûte la fatale. Fin de partie. Mort. Rideau. Je m'écrirai alors. Il a mouché sa chandelle, le coquin. Il a coupé le moteur. Moi, je mettrai un gros caillou dans un seau. Et quand la bougie est mouchée, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'est le cœur de Pyramide qui vient de lâcher d'un coup. Bon, excusez-moi de rompre ce bel enthousiasme créatif, mais je dois dire que tout ceci relève de la grosse ficelle. Pour la mort, il faut un acte physique, vraiment corporel. Dès vos premiers enseignements, vous nous répétiez inlassablement « Le théâtre, c'est le corps, et encore le corps, mort au décor !» Oh, c'était un visionnaire. Nous étions sous hypnose. J'ose même vous avouer, maître, que j'avais défroqué et quitté mon sacerdoce pour vous rejoindre dans cette religion nouvelle. C'était le temps des origines. L'heure est hélas à l'urgence. Le roi, le pouvoir attend. Que faire? Nous butons devant la mort. J'ai trouvé! Quand un être meurt, il expire, n'est-ce pas? Oui, oui. L'inverse d'inspirer. L'inspiration, c'est le souffle. D'ailleurs, l'origine de toute création. Pyramide, une fois le couteau bien planté, tu exécutes ton ultime expiration. Mort debout, majestueux. Ça ne sert à rien. On n'entendra rien. Pour cet acte majeur, il faut que les spectateurs aient un choc. Un coup de théâtre avec du son, du mouvement puissant. Je ne sais exactement. Alors là, on est circonspect. Qu'avez-vous dit, Fluvio? Ah, le drôle! Il l'avait sur le bout de la langue! Circonspect! C'est ça, bien sûr! Pyramide, il faudra que tu expires, mais par l'arrière! Hein? Osons le dire qu'il pète un bon coup en scène en mourant! Après le coup de lame, le fond, tu lâches un long pé sonore, sifflant et tonitruant, pour nous dire que l'air et la vie s'en sont allés conséquemment de ton grand corps étendu là. Tu mourras en bas, ritonnant, ce sera très beau, mémorable, opératique même. À la montagne, à la campagne, les gens en te voyant passer diront: c'est lui, c'est Pyramide, Pyramide le regretté. Le sulfureux. Ils ne t'oublieront jamais. Tu resteras dans les annales. Tu seras le pétomane de la mort. Oh, comme coup de théâtre, c'est un coup de théâtre. Bravo, monsieur Bouge. Ah non, je suis prêt à tout, mais à ça, non. Jamais je ne péterai au théâtre. Au temple. Ne me regardez pas ainsi, monsieur Pudding. Ni vous autres. Et surtout toi, le curé des nuits sabbatiques. Je resterai inflexible, totalement rigide sur cette question. Désolé, maître, trouvez une doublure. Fluvio, par exemple, avec cette finesse et cette subtilité qui le caractérise, peut tout à fait le faire à mon côté. Je m'y refuse! C'est tout à fait contraire à mon ancestrale culture.
C'est une idée vulgaire sortie du cerveau malade, monsieur Douillette. Cela nous rabaisse. C'est trivial. Trivial, monsieur Flutio. Le théâtre se doit d'être éruptif, volcanique et panique sous l'œil du dieu Pan. Pan et Pan et Pan et bra 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 et Pan. Cessez. Faut dissiper tout le monde. Pan. Les emballements de la créativité, c'est très beau. Mais là, vous dépassez les bornes. Et nous sommes atteints par les virus de la division. C'est le pire. En place avec vous en ce soir. Installez le mur. Je vais être spectateur et même acteur. Dépêchez-vous, prenez vos places. Pyram là, devant le mur. Bloque. Les tispés avancés de l'autre côté du mur. Là. Frère Jean, faites le mur. Les tispés, entrez dans la grotte. La doublure, ce n'est pas nécessaire. Mets-toi là. Pyramos, à toi. Oh, Tisbé, ma colombe. Si les doux parfums des fleurs odieuses. Pas odieuses, odorantes. Tu sais lire, oui ou non? Il ne sait pas. Oh, reprends le fond. Si les doux parfums des fleurs odoreuses. Vous entendez ces bruits très faibles? Où dois-je te scaler? Tisbé, restez là, ma caille, ma perdrix, mon petit pigeon. Je m'en vais voir ce que c'est que ce bruit qui venait de ce gros buisson. Pudding, je prends aussi mon couteau là. Je continue à faire le mur. Restez concentrés, c'est un très bon exercice. En attendant qu'ils reviennent, prenez la fin de la scène du tombeau. Scène du cimetière. Hôtel livide d'hélice, tu étais aussi fier qu'un étalon sauvage qui jamais ne tira la charrue. Je te rejoins, Pyram. Pyramus, dans la mort, au tombeau du vieux Nunuche. Passe-moi le couteau là maintenant. Et là, tu te le plantes profondément entre les côtes. Hein? Pardon? Oui. Monsieur Pudding, ce n'est pas Nunuche, c'est Ninuche. En plus, ils ont laissé passer une réplique. C'est parce que Pyram, mon amoureux, ne revient pas. Nous sommes très troublés. Vous faites n'importe quoi. Le mur est abattu. Le beffroi irlandais a disparu. Et toi, Tisbé, tu connais même pas ton sexe. Texte. Vous n'avez pas le minimum de respect pour votre metteur en scène. Tisbé! Oh my god! Les fois mutées, transmutées complets! Ce bois est ensorcelé! Fuyez les filles! Mais pourquoi se faut-il sauver? En pleine répétition, au moment où j'apparaissais en scène! C'est encore une de leurs méchantes blagues pour me faire peur et me faire tourner en bourrique dans ce bois. Mais je vois clair en votre jeu. Et je vais marcher de long en large et de large en long en chantant et en parlant pour qu'ils entendent bien que je n'ai pas peur. La rumba du Passo,
ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade. Oh, c'est haut la façade. Tout n'est pas tellement beau derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du... Voilà. Sur quoi mon pied gauche a-t-il buté? Oh, que tu es beau! Approche, mon joli! Oh, toi! Je t'aime! Je t'adore! Je te veux! Enlève ces vélocipèdes fourchés qui rempardissent ton corps! Hors de ma vie, pétacorde! Mes elfes! Garde son cheval! Alors c'est ainsi, madame. Là, direct, sur le champ, rien qu'en me posant les yeux dessus, vous tombez raide dure amoureuse de moi? Ma tante et ma mère auraient été fières de voir ça. Allez, beau cavalier, faisons ensemble travailler les muscles de nos cuisses. Allez, chante-nous quelque chose. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, à la bicyclette. Sous la pivoine, devant moi, une belle fille aux feuilles noires. La bicyclette! En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur. La bicyclette! Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis brocanteur. Hélas, si j'avais un peu plus d'esprit, je pourrais sortir de ce bois étourange. Ce sera jour de fête, alors. Descends! Mes elfes, bloquez la monture. Il n'est pas question que tu sortes de ces bois. Allez, demi-tour. Coureur de fond. Ah non! Moi, madame, c'est le fond, pas de fond. Que tu le veuilles ou non, tu restes ici avec moi. Mes elfes, préparez-moi ces grands gaillards pour la cérémonie d'amour. Es-tu content? On le serait à moi? Comment se nomme votre honneur? On me surnomme toile d'araignée. Si je me coupe le bout de ce doigt, je prendrai la liberté de vous employer. Et vous, séduisante personne? Fleur de bois, pour vous servir. Ce sont les plus mystérieuses. Elles peuvent même nous ensorceler. Et vous, mademoiselle, votre nom et prénom? Graine de piment. Piment? Pimante! Votre famille m'a souvent donné le feu à la gorge et m'a souvent donné du punch! Pimante! Excitante! Oh, qu'il est mignon! Mes elfes, escortez-le jusqu'à ma couche. J'en fais mon affaire de ce Tarzan des forêts. Allez, viens! Grande gazelle! Avant, girafe! Savoir qui Titania a vu à son réveil et qui elle doit aimer à la folie. Alors, esprit délirant et tête folle, comment se déroule la soirée nocturne dans cette forêt hantée? Hé, Glé, la reine est tombée amoureuse d'un monstre. Oh.
Elle est possédée par lui. Oh, comment tu fais? Une bande de ses artisans est réunie dans la clairière. Et pour quoi faire? Pour répéter une pièce de théâtre. Du théâtre? Une espèce de théâtre naïf de brocanteur. Mais c'est une bonne nouvelle! On va pouvoir claquer des pieds et des mains! Pendant la répétition, j'ai attiré celui qui jouait un certain Pyram dans un fourré. Tu as utilisé la fleur? Juste pour l'endormir. Ah. Estourbi le théâtreux. J'en ai profité pour lui coller une caboche d'âne. Oh. Votre titana s'est réveillée et s'est éprise illico presto de ce grand bourricot en sabot. Génial, malin petit peuple. Cela se déroule encore mieux que je ne l'aurais imaginé. Amoureuse d'un grand âne. Y as-tu bien humecté les paupières de ce jeune Athénien avec notre filtre d'amour? Éclair aussi. Oh, petit Puck, tu es parfait. Chut. Je crois que les voilà justement. Cachons-nous derrière ce buisson. Hermia, pourquoi me repousses-tu? Je serai ton bel époux. Je te couvrirai de bijoux. Je te couvrirai... Où est Lysandre? Je me suis réveillée, il n'était plus à mon côté. Démétrius, c'est toi? Tu l'avais provoqué et tiré l'épée contre lui. Qu'as-tu fait, monstre de jalousie? Rends-moi Lysandre. J'aimerais mieux donner sa carcasse à mes chiens. Tu avoues? Tu l'as tué lâchement en profitant de son sommeil. Du calme, harpie. Je n'ai pas versé le sang de Lysandre. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Alors, dis-moi où il est. Et que me donneras-tu si je te dis où il est? Le plaisir de ne plus me voir. Ne me touche pas. Tu entends? Tu entends? Quelle furie! Quand elle se met dans ses états, elle m'épuise. Je vais me reposer là-bas. Je la retrouverai après. Elle sera peut-être calmée. Est-ce bien celui-là que tu as parfumé, Puck? Je crois que j'ai versé le sucre sur les yeux d'un autre. Je me demande si tu ne l'as pas fait exprès, cervelle machiavélique. Jurez sur l'esprit de Jupiter, je ne suis pas responsable de cette erreur. Je vous ai obéi au doigt et à l'œil. Tu as parfumé un amant loyal au lieu de celui-ci. Pour un de ces gélots qui tient sa parole d'amour, 1 million y manque, si ce n'est lui, si son frère ou son cousin. Ça va tourner mal. Cours et ramène-nous ici l'autre fille d'Athènes. Moi, je vais m'occuper de celui-ci. C'est comme si c'était fait. Fleur de pourpre, fais vite ton office. Qu'à ton réveil, jeune Athénien, tu vois l'amoureuse que tu délaisses et qu'elle te soit plus désirable que la plus jolie Vénus. Cupidon, lance tes flèches empoisonnées. Crible le bien, qu'il soit définitivement vacciné. C'est maintenant que l'on verra si ce monsieur l'imbroglio de Puck n'a pas encore commis une catastrophe. Attends! Attends-moi! Attends! Regarde-moi! Pourquoi dis-tu que je me mords de toi? Explique-toi! Hier, tu aimais Hermia comme un fou. Tu es venu nous proclamer chez le roi et la reine. Tu t'es opposé à son père. Et aujourd'hui, tu l'abandonnes. Mais à quoi tu joues? Je ne joue pas. Je suis sincère. Tu es fou. Ou le plus horrible cynique qu'on puisse imaginer. Quand je disais que je l'aimais, j'étais fou. Je suis sûr qu'elle m'avait fait avaler un filtre d'amour. Et maintenant le filtre, hein? Il ne fait plus d'effet. Les nuages se sont dissipés et je nous vois comme nous étions avant. Avant? Mais nous étions des enfants. J'aime Démétrius et je l'aimerai toujours. Mais Démétrius ne t'aime pas du tout et court le bois, éperdu à la recherche d'Hermia. Oh Démétrius! Démétrius! Ah! Démétrius. La sacrée dose que j'ai dû avaler. Elle est morte! C'est super cool de te voir juste au moment où j'aimais. Aide-moi. Oh, que tu as la main douce. Et ses 5 doigts, le pouce et le petit... Oh, voilà bien la plus jolie main d'Athènes, la plus fine. Ne te moque pas de moi. Je souffre déjà suffisamment. Je ne me moque pas. Fais voir notre main.
Oh, le joli coude. Et le biceps. Waouh, et la petite épaule. Et le poignet. Le poignet, le poignet. Lâche-la, tout de suite. Toi, fais pas le malin. Casse-toi, pauvre coq. Quoi? Ok. Vas-y, bats-toi. Imposteur. Mais arrêtez-vous deux. On croirait deux chiens prêts à mordre. Ok, Démétrius. Tu désires Hermia, je te la laisse. Et toi, laisse-moi Elena. Garde ton Hermia, Lysandre. Je n'en veux plus. C'est son père qui n'arrêtait pas de me recaser sa fille. Menteur! Oh, fais gaffe aux insultes, hein. Tiens, voici venir ta belle, ta chérie. Tu nous as suffisamment bassiné les oreilles avec elle. À cause de toi, elle va même finir au couvent. On va voir ce que tu vas lui raconter maintenant. Lysandre, pourquoi es-tu partie me laissant seule? L'amour m'attendait ici. L'amour? Quel amour? Elena, ici présente. Hermia, tu n'as pas encore compris que je ne veux plus te voir. Sois gentil, rentre chez toi, occupe-toi de tes chiens et caresse tes chats. Tu ne penses pas ce que tu dis? C'est toi qui as manigancé tout ça avec eux. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu étais mon ami. Mais je ne comprends rien à tes accusations. C'est toi qui as poussé Lysandre à venir ici et Démétrius à faire tout ce cinéma que je regrette de t'avoir dit qu'on devait se retrouver dans ce bois. Mais tu oses encore m'accuser, mais je t'en dénue, mais t'es complètement parano. Parano toi-même, parmèche. Oh, je te vois, attrape ça, tiens. Tu ne peux pas comme ça. Elle a pas besoin. Déjà, Frite. Allumeuse. Allumeuse. Suis-moi. On va régler ça sur le pré. Te suivre? Oui. On y va. Ensemble. On va régler cette histoire à la loyale. Et définitivement. Arrêtez! J'arrête pas ça! Ne faites pas ça! C'est de ta faute. Tu auras leur mort sur ta conscience. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà bien les conséquences des envoyés minuit de Pâques. On va avoir des jeunes sur le carreau et du sang sur les mains. Pâques! Pâques! Rejoins-les sur le pré! Prends la voix de Lysandre pour dérégler Démétrius! Et fais de même avec l'autre! Asticote-les! Insulte! Provocation! Coups s'il le faut! Épuise-les! Jusqu'à ce qu'ils s'écroulent! Reste alors la seconde fleur, toute blanche sur leurs yeux. Elle dissipe l'illusion de l'écarlate et j'espère remettra de l'ordre dans ces esprits ébouillantés. Moi, je vais délivrer la reine de son monstre avant qu'il ne soit trop tard! Darling, installons-nous sur cet herbe tendre, que je caresse tes longues oreilles et que je te masse les mollets. Détends les sourcils. Être viril? Tu es trop raide enfin. Tu es pire qu'une planche à repasser. Et ces mollets, galbés des sprinteurs, suceurs de roues. C'est la bicyclette, madame. Tous les matins, avec chaque dent, on fait au moins 25 à 30 miles. Avec les montées, les côtes et les cols, il faut pédaler en danseuse. En danseuse? Oh, que tu es drôle et charmant. Je te vois bien sur ta bicyclette, avec les ronds tic tutu. Ouh! En plus, tu l'as caché dessous. Grand coquin. Ah non, madame, ça c'est ma jupette antique pour jouer le héros Pyram. On nous l'a fourni en kit car nous faisons du théâtre.
N'avez-vous pas vu mes collègues? Je les cherche. Merveilleux. Tu es plein d'idées. Oh, tu as raison. Le dieu Eros réclame de la fantaisie. Je suggère que nous dormions un peu et continuions ces festivités dès notre réveil. Dès qu'on se lève, on se lance à l'assaut des corps. Tu as raison. Reposons-nous avant les grands orages de sens. Bonne nuit, madame. Je plonge à bras raccourcis dans le monde des rêves. Que dites-vous de ce tableau vivant? Envoûtant! Et quelle belle cloche à fromage! Et les jeunes Athéniens, tu les as retrouvés? Ils allaient effectivement s'étriper. Quand la jalousie est là, la haine sort son coude là. J'ai fait comme vous l'avez dit. Épuisés, ils sont là-bas endormis au bord du fossé, croyant s'être battus l'un contre l'autre. Très bien, petit Puck. Maintenant, occupons-nous de ce bourricot d'artisan théâtreux. Il est décidé à passer à l'action avec Titania. C'est sérieux? Tu as vu la bête? Allez, enlève-lui sa tête de bourrique et va surveiller le réveil des jeunes amants. Moi, je vais m'occuper de Titania. Titania! Titania! C'est moi, ton Oberon, en os, en chair et en air devant toi. Quelle vision des cauchemars! Je me croyais amoureuse d'une grande mule! Pas d'inquiétude, ma reine! Ce type de rêve, les spécialistes en psyché féminine le nomment phallique et fréquent chez certaines dames. C'est même un beau signe de santé! Titania! Nous voici dorénavant, toi et moi, tout à s'agit. En gage de ma sincérité, je te laisse le page. Objet de nos discords. Mais non, mon chéri, il est pour nous deux. Oh. Dans quelques instants, il y a une première de théâtre qui commence. J'ai déjà réservé notre loge. On s'y retrouve. J'ai encore une urgence à régler dans cette forêt compliquée. À quelle heure est la représentation de théâtre? Où êtes-vous, collègue? Et à sœur, ils m'ont laissé seul endormi ici. J'ai fait un de ces rêves qui dépassent la cervelle. Il faudrait au moins être le chef des druides, the druid's chief, pour parvenir à l'interpréter. Oh, ben ça alors, on m'a volé mon vélo. Normal, vélo, anagramme de voler. Ohé! Eh oh! Eh oh! Ça plaira à Pouline, c'est oh! Ohé! Eh oh! Ohé! Belle nuit, yo no vivo ya. Ah! Les voilà! Assoupi? Pour être endormis ainsi, ils ont dû en venir aux mains. Ça ne se termine pas trop mal. Lisandre, maintenant, je vais bien dormir avec toi. Colle-toi encore un peu! Que je vous parfume tous les deux! De blanc, bien sûr. Oh Dieu, les voilà! Ah! Mon Dieu! Trop tard! Ils se sont tués! Demetrius! Demetrius, réveille-toi! Réveille-toi! Oh! C'est de ma faute! C'est horrible!
poursuit. Oh, mon œil dans son orbite tourne. Et l'autre aussi, bien sage, le tourne de l'œil. Bien joué, Oberon. Maintenant, avec un peu de chance pour ces quatre têtes folles, blondes ou brunes, chacun aura sa chacune. Et maintenant, dormez. Dormez. Les enfants fous fuient le paradis qu'on leur a fait. Aïe, 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 aïe. J'ai bien failli me casser la figure. Sale bête. Camasson. Et ce machin là qui ne marche jamais. Je suis là. Je suis là. Qui est là? Moi, bien sûr. Bien sûr, mais qui? Mon frère, il n'y a que moi ici. Et j'ai... Hippolyta. Que vous est-il arrivé? Au moment où mes chiens allaient à atteindre le renard, le rouquin goupil s'est retourné et a montré ses crocs. Mon cheval s'est cabré et hop! Et j'ai en vol plané ascensionnel jusqu'au sol. La nuque, les côtes, la colonne vertébrale, tout va. Juste une entorse. Aidez-moi. Mais Jules, oh. Que nous arrive-t-il? Je résume. Le cheval, galop. Le renard, les crocs. Les chiens, la poursuite, les aboiements. Cheval, têtu, bloqué net. Et hop, et j'ai... atterrissage. Vous en tirez bien. Mémorable. La plus belle culbute de ma vie. Le cul par-dessus la tête, comme on dit. Vous avez raison, il faut mieux t'en rire. Quoi? Qui? Qui est-ce? Ici? Qui? Quoi? Ici. Mais qui est-ce? C'est Hermia. Et j'ai votre fille est là. Et lui, c'est le Lysandre. Et elle, c'est Helena, la fille de Nada. Et l'autre, c'est mon futur gendre. Ils se sont réunis ici pour célébrer les rites de mai. Que faisiez-vous ici? N'est-ce pas aujourd'hui que votre fille, Hermia, doit donner sa réponse quant à son mariage? C'est même maintenant, monseigneur. Réveillez-vous, jeunesse. La Saint-Valentin est passée. Allez, tous debout. Que faisiez-vous ici? Pour dire la vérité, nous voulions nous éloigner d'Athènes. Oh, je le pressentais. Il voulait s'enfuir et me tromper. Je réclame la loi sur sa tête et sur celle de Lysandre. Du calme, doucement, Égée. Lysandre, ce n'est pas bien de s'enfuir comme un convoyeur de fonds ou un braqueur de banque. Et toi, que fais-tu là avec eux? Helena m'avait révélé leur fuite dans ce bois. Je les ai suivis. Et moi, je le suivais par amour et ils me repoussaient. Mais maintenant, non. Hermia m'apparaît maintenant comme une sorte de jouet désiré par caprice. Parler ainsi de ma fille? Non mais vous avez entendu cela? Je veux dire ici, tout haut, à vous tous, et surtout à vous, madame Hippolyta, qui comprenez si bien la jeunesse. Comment je vais tourner ça? Tu veux dire, Démétrius, que le sujet, le délice de tes yeux, c'est Helena? C'est ça! Et d'ailleurs, j'étais presque fiancée à elle avant d'avoir eu cet étrange désir. Et ma fille? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Elle a Lysandre. Eh bien, très bien! Parfait! Happy end! Juste avant nos noces, Hippolyta! Égée! Votre fille est casée et heureuse! Égée! Oh, tout à l'heure, au temple, avec nous, ces deux jeunes couples sont unis pour l'éternité. Nous allons célébrer en grande pompe cette heureuse issue. Hein? Allez, allez, viens, Hippolyta. Et après le mariage, tous au théâtre. Oui. Et toi, ma fille, pour ta robe, vois avec ta mère. Vous vous rendez compte? Tous les quatre, mariés, le jour des noces du roi et de la reine. Au même moment et au même endroit. The right man in the right place. Et surtout, the right woman in the right place. Ces choses me parlent.
paraissent opaques, comme des bisons lointains dans la brume. Êtes-vous sûr que nous sommes bien réveillés? J'ai l'impression que nous dormons encore et que nous rêvons. Le roi était bien là? Vraiment? Oui, et Madame Hippolyta, et toute la suite, et mon père aussi. Pour qu'un homme change et sorte vraiment de son obstination, il faut presque une intervention magique. En ce cas, s'ils étaient tous là, c'est vrai, car il n'est pas possible que nous rêvions tous la même chose, tous en même temps. Et après le mariage, vous avez entendu? Nous allons tous au théâtre. Il paraît. Pour moi, ce sera la première fois de ma vie. Comme ton mariage? On va rire. Peut-être. C'est une tragédie très drôle qu'ils annoncent. Nous avons vraiment perdu Pirate. Êtes-vous allé voir chez lui? Aucune nouvelle. Personne ne l'a vu. S'il n'arrive pas sans effet de la pièce, le roi va être furieux. Ce philostrate doit déjà préparer le chanvre et les deux coulants. On ne baisse pas les bras. Frère Jean, allez guetter sur le chemin. Il aurait fallu une doublure pour Pirate. Monsieur Pudding, je peux très vite me transformer en lapin, en Pyramus. Impossible. Vous doublez de Yachisbe. Le roi et la reine sortent unis du temple. Les deux jeunes seigneurs et leurs belles se sont mariés aussi. Ils arrivent tous par ici, avec toute la cour. Si notre pièce marchait, nous aurions tous du foin chaud dans nos bottes et de longs caleçons pour tous les hivers. Il faut que Pyram arrive. Prions. Le vent, le vent, reviens, je t'en prie. Dernière nouvelle de la Gazette Royale. Grande première, l'art théâtral renaît de ses cendres. Ce soir, c'est le retour de la très ancienne compagnie des artistes anonymes associés du TFCCV, dirigée par l'Italo, Franco, Anglais, Camerounais, Monsieur Plum Pudding. Oh, c'est déjà la célébrité pour nous. Et au fait, c'est le JB sur la place publique qui nous attend. En affiche complet, c'est Poc qui vous le dit. Chers spectateurs, derrière vous, mon maître Oberon et ma maîtresse Titania sont dans la loge du haut avec les fées très bien placées. Coucou les fées! Attention! Ils arrivent! Voilà les mariés! Placez-les! Les suspects à vous! Meublé! Orchestre! Orchestre! Nouvelle pièce qui entre au répertoire ce soir. Bravo! Vive la comédie! Madame Hippolyta, descendez avec nous au portail! Je vous rejoins! Je laisse! N'oubliez pas l'état du théâtre de Shakespeare,
vous êtes les enfants. À nous, Yaka. 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 Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kaupane, 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 kaupane. Hey, hey, hey. Moi, Pierre, je sors du ventre de la nuit. Mon chapeau et ma tunique encore enfoussiérés. J'ai longtemps marché pour arriver jusqu'ici. Et j'ai dû souvent combattre pour ma vie. Épuisé, mais heureux, je rentre enfin à la maison après une longue randonnée car... La randonnée, l'enfant, chevauchée. Chut, enfin, vous me déconcentrez. Je reviens d'une longue randonnée. Et voilà, j'ai le trou. Que dis-je? Un abîme, un précipice, un gouffre sans le fond. Le fond enchaîné. Soufflez-lui le texte. Souffleur, souffleur. Maître, ça y est, j'ai retrouvé. Orchestra, please. Go, on rembobine, Pyram, deuxième. Donc, Pyram, c'est moi. Et les deux femmes là-bas, au pied du grand de TP, ce sont mes TP. Elles sont deux, mais en fait, il n'y en a qu'une, car je ne suis pas polygramme, même si en apparence... À vous les chistes. Escabeau. S'il vous plaît, jeunes gens. Oui,
Pyram s'approche du mur. J'adore le mur. Et c'est rare un mur qui parle. Ce sont les pouvoirs du théâtre. Nous, on les aime plutôt quand ils tombent. Celui-là, il peut nous tomber dans les bras. On ne dira pas non. Enfin, indiscipliné. On voit bien qu'ils ne sont jamais allés au théâtre. Nuit sinistre. Nuit obscure. Et ces Thisbé avaient oublié notre rendez-vous. Oh mur, délicieux mur, enfin tu es là. Montre-moi ta crevasse, par où mes yeux s'émerveilleront de voir ma Thisbé. Thisbé n'est pas là. Qu'effroi lugubre là-dedans. À vous, action, réaction, action. Thisbé ? Tu sais combien je souffre d'être de Pyram séparé. Thisbé, je suis là. Approche mon coucou et baise ma bouche par le trou de ce mur. Où sont tes lèvres? Je baise la crevasse froide et nullement tes lèvres chaudes. Ce n'était que les préliminaires. Pour les développements, rejoins-moi au tombeau de Nunu. Ok. Sans dispute. Au cimetière et le rencard. À la vie, à la mort, j'y serai sans retard. Cemetery. Please. Atmosfera. Hermia ! Hermia ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la scène du cimetière. C'est la scène du cimetière. Voici le tombeau du vieux Ninus. Es-tu déjà là, mon doux chéri, mon amour? Peut-être est-il encore perdu en chemin. Oh! Attention, voici le monstre. Sauve-toi, Thisbé. Ta doublure te couvre. Merci pour tes rayons qui vont éclairer le doux visage de ma Thisbé. Du sang? De qui sont ces gouttes de sang séchées sur le sol? Ces traces sont-elles celles de la victime ou du criminel? Oh my god! Je n'ose imaginer! Oui, ce sale avec ce sang déjà foncé! Oui, c'est bien celui de ma Thisbé! Et à côté,
la soupe que du lion. Et se battu, débattu, avant d'être elle-même abattu. Toi, Justice B, tu lui as tout de même arraché la queue. Oh, mère nature, pourquoi as-tu créé ces bêtes sauvages qui auraient dû disparaître de nos steppes et des trottoirs de nos villes? Je pressentais, notre amour était damné. Vas-y, Glaive, fais ton office. Perce le bout des tons du mamelon de pyramide. Oui, le gauche. La hauteur fait tic-tac comme la pendule du salon. Vas-y, Pyramos, meurs, mais meurs donc. Attends. Douillette, où est la plante? Douillette, douillette. T'as oublié la plante? J'espère que tu n'as pas fait exprès. C'est fait. Je meurs devant vous, mesdemoiselles et mesdames. Ainsi, votre héros expire. C'est terriblement dramatique. Oh, voilà les tispés. Les malheureuses. Je n'aimerais pas être à leur place. Chut, la jeunesse. Mais déconcentrez pas nos actrices. Portez mon amour. Quelle est cette dure raideur en haut de ton ventre? Tu m'attendais ainsi? Sont ce des mains jointes? Mais non! Elles sont là, sur les bords de tes flancs. Oh, oh my God! Tes lèvres de lys rouge sont si pâles, tes joues de tulipe si diaphanes, et tes yeux sont verts comme de jeunes poireaux. Il est mort. He's dead. Fuck. Fuck you. Viens, Glaive, rougir mon sein. Adieu. Trois fois adieu. Adieu. Je m'assassine. Aussi, ne me retenez pas. C'est même plus la peine de doubler. Éclipse-toi. Éclipse, tableau et musique. Mais il n'y a toujours pas la lune pour veiller les malheureux gisants. Silence, laisse-moi. La voilà. Oh lune, prends ton envol. Son âme est en route vers le ciel. C'est trop facile, franchement. Nous, on veut voir la lune, la vraie. Non mais ça suffit, toi. Qu'il est fatigant celui-là, Oui, ça suffit, monsieur le perturbateur. Si vous voulez savoir la rue, eh bien voilà une d'appel et bien suffi. Oh, bravo, 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 le fond de ça, un coup de bravo, bravo, ça y est, ça y est, bravo, ça y est, bravo, 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 merci. Bravo, merci. Cinq fois, merci. Vous plaît-il de voir l'épilogue? Non. Pas d'épilogue, je vous prie. Music pour le roi et la reine Joss Mary. Aujourd'hui, le théâtre et la magie d'une nuit d'été avec la lune et même plusieurs ont donné un sacré coup de pouce au destin pour accompagner les humains à la recherche de leur vérité. Du fond de notre cœur, merci les acteurs. Votre tragédie, bouffonnerie aussi, nous a fait oublier la marche du temps et de l'heure. La moitié de la nuit, quand le moussi de minuit vient de s'avancer et compter ses pas jusqu'à 12. Les amoureux, tous nous compris, ma chère Hippolyta. Vite, vite, au lit! Et que vivent longtemps en mon royaume les arts, le théâtre et les troupes de cet acabit-là. J'en roule la terre et les planètes, les astres et les heures, les saisons, les jours et les nuits, avant que le faucon n'ait fait trois cercles dans le ciel, que la baleine n'ait nagé une lieue, que le chevreuil n'ait traversé la forêt. Toki, autour de la terre, en 40 minutes, aura déroulé sa ceinture verte. Toki, Toki, Bunfellow.
Jean Lacroix Calgas. Léontina Paz. Bruno Davès. Lilian Yang. Nicolas Lebossé. Gao Afonsina Dominga Sicalpa. Gerson Dmé. Tizogoy Yangou Ayak. Lomani Mondonga. Guy La France, bien sûr. Antonio da Silva. Felipe Richard de Marseille.